tous. Aujourd'hui, donc une nouvelle session canoë avec mon frangin. Donc on part sur 16 km de descente sur l'Yerre. La dernière fois, on est parti en gonflable, en canoë gonflable Décathlon Mickey 8. Je vais vous mettre une photo. Et aujourd'hui, on va partir donc avec un peu plus de luxe. On part avec un rigide. Donc deux places toujours. C'est beaucoup plus confortable et cette fois-ci il n'y a pas de dérive en dessous qui nous permettra de passer en dessous, au-dessus du moins, des niveaux assez bas. On va être tranquille comme ça. Donc voilà, on a le soleil aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut. On a préparé notre matos et on est prêt à partir. Alors l'avantage du rigide, c'est que quand c'est des endroits herbeux comme celui-ci, on n'est pas obligé de le porter. Déjà qu'il est assez lourd, mais ça évite de nous fatiguer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la corde là, à tous les deux. Et puis on peut le tirer comme ça directement en le laissant poser. On rangera après, Bobby, laisse tomber. On peut le tirer comme ça directement sans. Je vais tirer, tu vas filmer. Putain, c'est lourd. Bah oui. Alors on peut se mettre chacun d'un côté, d'un bout, ou alors les deux bouts, les deux chacun, c'est quand même beaucoup plus facile que... Mmh. Bah là, ouais. Là. Ça ? Ouais, c'est là. Donc voilà, l'avantage. Oh putain. L'avantage du rigide. Ah par contre. Je vais ranger. Ouais. Ça tu montes directement toi. Oh, ok. Bon, le même équipement que la dernière fois. Hein. Les waders pour mon frangin. Par contre moi je me suis mis en short. Et puis bah, l'eau est pas si froide que ça, ma foi. Hein. Non. Je m'attendais à ce que ce soit plus froide. Ouais, ça va, il est pas froide. Hein. Voilà. Ah, tu veux utiliser tes billets blancs, nous ? Bah oui, ma foi. Bah écoute. C'est good ? C'est bon ? Allez, c'est reparti. Allez, hop. Allez, hop, de rien du tout. Si ? Non ? Elle fait ? Allez, c'est reparti, ça racle un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. Et nous, on repart, tranquille. Comme si dans un été. Ça, c'est le pont de Morvert. Donc voici le pont de Morvert. Donc nous sommes sur le tronçon entre Soignol-en-Brie et Chaumont-en-Brie en direction de Soignol-en-Brie. La dernière fois on a fait le tronçon Soignol-en-Brie Comble-la-Ville. Et donc là on est un peu on est plus haut. Hein ? Allez c'est parti, on donne une impulsion. Ouais, tu vas où là ? T'inquiète. Allez, vas-y, fonce, fonce. Bon, ça passe pas vraiment comme on voudrait quand même, peut-être pas abusé. Merde. Ça va être bon ? Ça le fait ? Allez, c'est reparti ! Sur la gauche là ? Bizarrement, ouais. À mon avis, entre deux genres de cailloux là. Ouais, elle est en cours. On va toucher un petit peu. Ah non. Même pas. Oh putain. Là, ça a touché. Là, ça a touché. Ouais. Ça, il a le pot. Ah ouais.
celui-là. Non, c'est pas un pont, ça. C'est un espèce de truc en ferraille. Bah, c'est là, on arrive, ouais. Ici, je voulais passer en fait, mais quand on débarque sur une propriété privée, c'est pour ça qu'on ne peut pas y aller. Et là, là, il y a un accès. Et le problème, c'est qu'ici, après, il y a une barrière et tu arrives chez les gens, en fait. Ah, ouais. Il y a une baraque là-bas. Hein? Il y a une baraque en face. Ouais, on a un Morvan. Ouais. Après, on va arriver au niveau du pont du fromagement. Regardez, voilà, je peux bien oublier du jeu. Non, là, comme il est abandonné, il n'y a plus rien. C'est la première fois que j'arrive là. Alors l'avantage, c'est que je suis tout debout. Comme ça, on voit encore mieux. Je sais pas pourquoi on parle tout bas. Bon, je me rassois. Ça fait la cache ou la mort, quoi. On y passe ? Allez, c'est parti ! Tranquille ! T'as un demi-tour là pour voir si vous pouvez passer ? Ah, maintenant on a passé un petit niveau là. Allez, tranquille hein. Voilà. On est passé là. Bon, par contre, maintenant, pour venir dans le bon sens, sinon...
après Ouzouer le Bougie. Après la station d'épuration des eaux. Le numéro il est aussi perdu. T'as vu, t'as pas vu le numéro? Ah la vache! Il est parti, il était sur la gauche. Alors voilà, on s'est posé pour le midi. Donc toujours sur le bord de l'Yerre. On a mis nos petites affaires ici. On a mis un hamac là-bas. Et puis on va pas se refuser ça, mais bon. On fait cuire les dios là. Petit barbecue. Un barbecue amélioré, on va dire. Donc voilà, ça cuit là, ça commence là. Putain, Bobby, il va falloir remuer là. T'as amené la fourchette carrément là. Moi j'ai amené des fourchettes en plastoc moi. Attends, on fait la vraie cuisine ou on fait la Ah c'est bien. Ouais, il y a même des bestioles qui viennent manger avec. Ouais, ça fait de la protéine. Ah tu vois là, sérieux là. Mouchon. Ah, là, ouais. Ouais. Voilà, donc on s'est mis là tranquillou. On a pris un peu de bois mort. Et puis on va se poser là pour manger. Comme ça, on va se requinquer pour repartir après. Donc là, on est à la moitié du chemin. On a fait 8 km sur les 16. Donc, on est bien. Là, on a bien pagayé, on a bien descendu. Et on se refuse rien. Alors là, on a redémarré un peu le feu parce qu'on va se faire notre petit café et le petit thé. Exactement. Et puis là, on va être obligé de faire la vaisselle. Alors Steven, lui, il a fait la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ah, c'est un peu... Putain, il est... Oh la vache! Il est courant, hein. Oh. Ah, le plat de vaisselle. Ah, il y en a encore un peu. Ouais, j'ai pensé au sable. Ouais, donc... Ah, c'est bien cool ça. Ah, on est passé. On entend le TGV qui passe. Ouais. Sympa, hein? Sympa, ouais. Mais je sais pas si avec moins d'eau on serait passé. Ouais, c'est bien qu'on fera un rocher. Ouais, à gauche là. Ah, oui. Ça va être dur à passer. Dans le coup. Non, rien du tout. Là, vas-y. Putain, on va passer trop vite. On va niquer tout. Pour serrer là. Attends. Comme ça là. Ouais, voilà, comme ça, tu vois. Allez, je te l'emmène là. Vas-y. Oh, impeccable. Oh, j'ai le temps, j'ai crevé, toi. Putain, on s'est bien marré là, tiens. Ah, sans que ça paraisse, c'est physique, hein. Pas la descente par elle-même, mais les passages comme ça, c'est la galère. On n'a pas le choix à gauche, hein.
Fombrac. Fais gaffe à la branche là. Putain, oh vache, poiré. Punaise! Là t'as une grosse araignée à droite. Ah la vache, je l'ai écrasé. Putain, comment que c'était? C'était chaud là! Bon, ça menait vite, tu parles! Putain, Bobby, cassons-nous! Je me le demande. Non, c'est le TGV. Bah, c'était un peu de tout. Ouais, comme. J'avais des bois avant d'aller sur la route. D'eau, ça va être juste, hein. Oh, ça le fait. Ah, je la vois, ça y est. Ça le fait, large. Après, je suis pas sûr que ça le fasse. Ah, ça va descendre là, par contre. Ouais. À gauche ou à droite? À gauche, à droite. À droite. Entre les deux là? Là? Ouais, on a pas de choix, c'est trop tard. Ça va toucher, hein? Vas-y! C'est bon! Tranquille! Et voilà. Notre périple touche à sa fin. Nous sommes à... Ouais, ça y est. À 200 mètres de l'arrivée. Ça s'est bien passé. Du fait qu'on est le rigide. Tous les passages qu'on pensait difficiles sont passés comme une lettre à la poste. Thank you.